Sénatrice Organa, ça faisait longtemps. Bâtir une république, c'est beaucoup de travail. Tout comme traquer sans relâche une flotte impériale. Et ça ne va pas s'arranger, commandant. J'ai besoin de vous. Un de nos généraux a disparu, j'ai retrouvé sa trace sur Takodana, mais il ne répond à aucun de mes appels. J'aimerais que vous retrouviez... Han Solo. Tiens-moi une autre part, Kellan Sling. Pas tant que tu m'auras pas payé celle que tu viens de boire. Allez, tu me connais depuis le temps. Justement, c'est pour ça que je me méfie. Où est mon Wookie? Chewie répare le Faucon. Le communicateur longue portée a pris un sacré coup sur Joe Mark. Ça fait un bon bout de temps qu'il n'est pas venu ici. C'est parce que tu le rends nerveux. Je sais que vous préparez quelque chose tous les deux. Dis-moi ce que c'est. Tu sais très bien que toutes les affaires passent par moi. Je dois rencontrer un ancien impérial. Il dit qu'il peut nous aider à libérer les Wookiees sur Kashyyyk. Tu connais cet homme? Fais attention. Si jamais à cause de toi l'Empire est attiré devant ma porte... T'entrais pas, tu sais que je couvre toujours mes traces. Allez, quoi, accepte de me donner un coup de main. Fais ça pour Chewie. Je ne connais pas cet homme. Mais il est tard. Et tu vas voir que ma clientèle peut parfois être... assez bavard. Merci, Maz. Je t'en dois une, tu sais. Tu m'en dois bien plus que ça, Han Solo. Surtout, tâche de ne pas l'oublier. Cool, ça, Mio Han Solo. La République n'en a rien à faire, pas plus que l'Empire. Alors choisis bien. Il n'y a qu'à parler. Papoter. Hey. Coucou, monsieur. Roddy, content de te voir. Écoute, mon vieux, je recherche un ami, un certain Paldora. Tu peux m'aider? Après que tu m'as laissé en plan pendant la mission Zerka, pas question. Allez, tout s'est bien terminé. Enfin, je pense, vu que t'es là. Dégage. T'as qu'à trouver Paldora tout seul. Vous pourrez comparer la taille de vos barbes. Ah, donc il est barbu. Compris. Et a toujours aussi bonne réputation, le Han Solo. Il paye toutes ses dettes. Il rend bien service à tout le monde. Donc, faut aller. Eh, monsieur Paldora, ça faisait longtemps. Mon ami Wookie se demandait ce que vous deveniez. Je crois que vous me confondez avec ce... type insupportable à l'étage. Autant pour moi. Ok, une information de plus. Donc on l'a... C'est pas le prix qu'on avait convenu. Sous-sol. On va prendre l'escalier pour voler tout en haut. L'échauffement et le championnat de toi. Je peux vous fournir toute la... C'est étrange, tu ressembles à un ami à moi. Il s'appelle Paldora. Tu me confonds avec cet abruti qui boit du Merenzan Gold? Il a de quoi se payer un verre de Merenzan Gold? Ouais, ça fait envie, pas vrai? Ok, donc faut encore monter. Oh, un étage, barbu. Chiant. Il boit du Merenzan Gold qui semble être un alcool bien cher. Oh, c'est cool, là, on l'a vu dans le film. Le temple, et là on peut se balader je dedans. Je ne me donnerai pas pour une autre Merenzan Gold. Vous ne trouvez pas? Han Solo? Je suis Rassus Paldora, spécialiste impérial. Ravi de vous rencontrer enfin. Chut, pas si fort, enfin. Ah oui, c'est vrai, c'est un rendez-vous incognito. Allez, il faut qu'on vous sorte de là. Alors c'est parti.
J'ai les informations que vous n'oubliez pas sur moi, bien sûr. J'ai caché 2 cubes de données dans les bois, par précaution. Non, mais vous vous fichez de moi. Le premier contient les itinéraires de l'Empire, leur site de ravitaillement, leur cache d'armes secrètes. Un cadeau pour la République, si elle peut garantir ma sécurité. Et pour vos renseignements sur Kashyyyk ? Ils sont ailleurs. Faites-moi confiance, j'ai tout ce qu'il vous faut pour libérer les mousses. Dites-moi comment vous savez tout ça. Les officiers impériaux parlent beaucoup. Ils aiment se donner l'air important sur l'humain, Rax. Je n'ai pas ce plaisir. Il est plutôt intense. On y va. Bizarrement, la plupart des statisticiens sont tués par des apprentis. Pour s'en foutre. Des amis à vous ? Laisse-moi deviner, je suppose que c'est ta faute. Ouais, comme d'habitude. Rappelle-moi quelle est ma règle numéro 1, Han Solo. Pas de bagarre. Bon, allez, il faut qu'on bouge. J'ai caché le premier cube de données dans un générateur juste là. Vous ne pouviez vraiment pas avoir les données sur vous, hein ? Monsieur Solo, je suis un agent double. Je ne peux pas avoir ce genre de données sur moi. Des Stormtroopers. Pas un bruit, on va les neutraliser. L'amiral me contrôle. On ne peut pas se permettre une fuite dans ce monde. Le déserteur est un statisticien. Sûrement là, un policier. Garde les yeux bien ouverts. Eh merde. Regardez, un officier. Précis, très sympa. Celui qui a caché après tout. Rien dans celle-là. Non, pas ici. Où ai-je bien pu le laisser ? Je l'ai. Les informations de ce cube de données devraient aider vos amis de la République. Attention ! En voilà d'autres ! Ok, prochain point de contrôle. Vous devez avoir de bonnes infos pour qu'ils envoient autant de soldats après vous. La situation de l'Empire est plus grave qu'on peut le croire. Ils ont peur que la République s'en rende compte. La flotte consomme plus de carburant pour éviter vos attaques qu'on ne peut lui en fournir. Un officier impérial sur 148 se rend et demande asile. Le nombre de nos chasseurs a baissé de 3,4%. Super intéressant, mais cassez-vous tout ça. Vous êtes sûr que vos informations peuvent aider les Wookiees ? Ça vous mènera tout droit sur leur planète. Qu'est-ce que la République prévoit de faire ? Pas grand-chose, mais Chewie et moi, on fera fermer ses camps de travail à nous deux, s'il le faut. Ah oui, le puissant Chewbacca ! J'ai hâte de le rencontrer. Vous semblez inquiet. C'est parce que je vais vous attendre ici, en toute sécurité. Ça devrait attirer leur attention. Je dois
reconnaître que j'aime le pouvoir. Voyons, où ai-je laissé les informations sur les Wookiees? Je les trouverai. Ok, on cherche encore. On fouille. On a trouvé ces données. Trouvé. Des renforts. Baissez-vous. Premier coup. Ah. Je me baisse. Oh, il a volé. Ça devrait vous aider à atteindre la planète des Wookiees. À présent, direction votre célèbre faucon. Vous connaissez le faucon? Oui. En moyenne, je dirais que 2,2 1,2 sur 300 connaissent. En pleine face. Bien cramé, là. Ouh, il a cramé. Par le faucon, il faut qu'on puisse le voir arriver. Qu'est-ce que je fais, moi? Taisez-vous et courez, d'accord? J'avais l'air tenir. Préparez le vaisseau au décollage. Je crois que je connais cet officier. Que je suis content de vous voir. Qu'est-ce qui vous amène, commandant? Vous, général. C'est la sénatrice Organa qui nous envoie. Je retire ce que j'ai dit, Chewie. C'est le pire jour de toute ma vie. Au sol, la voie est libre. Mais on a des tas de TIE en approche. Pour une fois, ce serait bien qu'ils arrêtent d'essayer de nous tuer. Ça ne serait pas aussi drôle, général. Allez, un petit combat autour du Fouco Milieu. Il est un peu haut. Ben, ouais. Han Solo. Tiens, salut. Ah, il arrive. Il m'a dit que tu couvrais toujours de traces. Et maintenant, il y a des vaisseaux au-dessus de mon lac. Je peux tout t'expliquer. Je m'en fiche. Nettoie-moi ce bazar. Je sais bien que ce n'est pas ta faute, Chewbacca. Général, concentrons nos tirs sur ce croiseur, vous nous suivez? Allez, on va l'envoyer voir le fond du lac. Bon, ça ne va pas du tout plaire à Baz. Votre cargo y traite 1300 est une belle machine, mais son hyperdrive est 1,22 fois moins fiable que celui du modèle de l'hyperdrive. Chewie, fais le sortir de mon cockpit. Non, attendez, je me tais. Quelqu'un m'en débarrasse? Jette-toi! Feu! C'est bon, merci, Eden! Ça
encore un TIE, ni en... Solitaire ! Général Solo, je détecte une autre menace dans votre direction. M'en occupe. J'espère vraiment que c'était le dernier, Solo. Je t'avais dit que je m'en occuperais. Fiche-moi le camp. Allez, fiche le camp. Joli tir, Général. On va vous escorter jusqu'à la flotte. En fait, j'avais autre chose en tête. Chewie vous envoie les coordonnées. Bien compris. On se retrouve là-bas. We'll be right back.